pred nama je vikend, stoga i naredna priča preporuka da upotpunite subotu veče u Podgorici. Ukoliko gajite interesovanje prema džezu ili imate naklonost prema određenim varijacijama ovog žanra, adresa je Kic Budotomović i dešavanje Mjesec poštovanja džeza. Zahvaljujući ovoj ustanovi kulture i ambasadi Rumunije u našoj zemlji, sjutra veče na velikoj sceni spoj džeza i klasike iznijeće trio rumunske pijanistkinje Ramone Horvat. Ona će se na bini naći sa svojim kolegama, francuskim muzičarima, kontrabasistom Nicolasom Ragoom i bubnjarem Antoanom Paganotijem. Novi album Carmen's Karma nedavno je objavljen u Francuskoj, a premijerno će ga izvesti kod nas. U susret nastupu naši gosti su upravo Ramona i Nicolasa. Sa nama je Milica Rajković u ime ambasade koja će nam zapravo pomoći da se sporazumijemo. Dobrodošli, welcome. Thank you, hello. Krenut ćemo od Ramone. Zapravo, koliko često imate priliku, s obzirom da ste iz Rumunije porijeklom dijelimično, koliko često imate priliku da nastupate u ovom dijelu Balkana i kako ste se povezali sa našom zemljom? Est-ce que vous participez souvent dans la région des Balkans et comment vous avez trouvé la connexion avec le Monténégro? Alors, non, malheureusement, je ne viens pas très souvent dans le Balkan, même si j'aimerais bien, parce que je découvre, c'est une magnifique région. Alors, je suis venue l'année dernière à côté de Novi Sad, dans un petit village qui s'appelle Subotica. Pour un grand festival, c'était pareil, super, on a adoré, on était dans un autre projet, dans un quartet. En septembre, on viendra de l'autre côté de chez vos voisins, vers Timișoara, hein, en Roumanie. Et, mais à Monténégro, c'est pour la première fois et j'en suis très contente. Dakle, nažalost, ne imam tako često priliku da gostujem ovdje. Po prvi put sam u Crnoj Gori. Na ovom dijelu Balkana gostovala sam zapravo prošle godine u gradu koji je pored Novog Sada, Subotici, gdje je organizovan jedan veliki festival. Tada smo bili u okviru jednog festivala zapravo kao kvartet, jedan drugi projekat, a također sam gostovala nedavno i u Temišvaru. Doduše, na ovom dijelu Balkana ne imam priliku često da gostujem, ali gostovala bih sa velikim zadovoljstvom jer sam otkrila da je region, odnosno da je zemlja jako lijepa. Gospodin Nicolas je iz Francuske, višedecenijska karijera, koncertno iskustvo po Evropi i Sjedinjenim američkim državama. Koliko je zapravo vama, makar iz nekih kontakata koje ste uspostavili blizak ovaj teren i možda balkanski folklor? D'après les contacts que vous avez déjà fait ou voilà, réalisé, est-ce que vous sentez cette région proche? Quelle est en fait, comment vous sentez cette région des Balkans du Sud et le folklore également, la musique d'ici? Eh bien, comment? Bon, moi, j'ai un background où j'ai habité aux États-Unis. J'ai beaucoup joué de jazz avec des musiciens de tous horizons, mais du jazz plutôt plus traditionnel à la base, avec des Américains, avec des voilà, je fais toujours. Ceci dit, j'ai découvert la musique des Balkans plutôt, à part que mon père écoutait beaucoup Bartok et aimait beaucoup, mais sinon, beaucoup grâce à Ramona et grâce à certaines danses roumaines dont on a joué. Elle a fait quelques arrangements plutôt jazz sur des danses roumaines. Peut-être d'ailleurs qu'on en jouera au concert, je crois. Et voilà, donc mon approche de la musique des Balkans, c'est plutôt ça. Dakle, ja sam započeo svoju karijeru, kao što ste pomenuli, i boravio puno po Americi. Ja se držim tradicionalnog džeza i sviram tradicionalni džez. I svirao sam sa ljudima sa svih meridijana svijeta i svih krajeva svijeta. Međutim, balkanski, odnosno ovaj lokalnu muziku, otkrio sam prije svega preko svog oca koji je jako volio i poštovao muziku sa Balkana, a onda i preko Ramone koja me direktno integrisala u ovaj svijet muzike sa Balkana i preko nje učio dosta ovoj muzici odavde i zajedno sa njom izvodio. Tako da vjerujem da će mi večeras izvesti jedan dio koji će biti onako prijemčiv za publiku.
publiku. Jedna zanimljivost o našoj sagovornici koja je zapravo mađarsko-rumunskog porijekla iz umjetničke porodice. Od malena su je privlačili zvuci Brodveja, a klavir je počela da svira sa 3 godine, baš kao što kažu i za Mozarta nekada davno. Ramona, znači li to zapravo da je vaše muzičko iskustvo, odnosno putovanje, počelo u jako ranoj dobi života? I kako ste se zapravo opredijelili na kraju za dominantno džez? Alors, vu que vous êtes d'origine roumaine et hongroise, et vous êtes née dans la famille où la musique était au piédestal, parce que vu que vous avez à l'âge de 3 ans commencé avec les cours de piano et vous étiez déjà au début de votre éducation musicale, comment la musique qui a commencé si tôt a influencé votre carrière d'après? Et en fait, est-ce que ça suppose que votre éducation, comme chez Mozart, a commencé très tôt? Comment vous êtes orientée vers le jazz? Oh, j'ai écouté énormément de musique, donc comme vous savez déjà, ça se fait de petit à petit. C'est parce que je pense que dans le jazz, j'ai senti un peu plus le côté de liberté et la liberté de l'improvisation. Bien sûr, il y a des codes aussi dans la musique du jazz, mais c'est peut-être ce côté de liberté qui m'a toujours attirée. Ça se fait aussi grâce à un grand pianiste hongrois qui était né en Roumanie, Ian Csikörösi, qui c'est lui qui m'a introduit plus dans la musique du jazz et qui m'a quelque part mené mes pas dans ce genre. Et là, j'en suis ravie de faire cette musique. Pravci u muzici se rade pomalo. Sve to u muzici dolazi postepeno, ne naglo. Kada sam ja u pitanju od klavira, nekako sam se orijentisala ka džezu, jer me nenormalno jako puno kod džeza privlačila ta sloboda, sloboda izražavanja, ali i sloboda improvizacije. Bez obzira što u džezu imate također pravila, niste obavezni striktno da ih se držite, već imate jednu izvjesnu slobodu. I to me kod džeza uvijek privlačilo. Međutim, ja najveću zahvalnost za svoju orijentaciju za džez muziku dugujem ipak profesoru koji je mađarskog porijekla, koji je rođen u Rumuniji i sa kojim sam, koji me uveo u ljepote džez stvaranja i džez muzike i kome sam zapravo zahvalna. I on se zove Jan Tokar. Jan Csikörösi. I dakle, on je obilježio moje džez stvaralaštvo. Konkretno, Nikolas i Ramona sarađuje u preko 10 godina. Nikolase, sjećate li se tog prvog zapravo susreta i koliko ste za ovih preko 10 godina uspjeli da se razvijate timski, ali s druge strane i individualno? Alors, quand vous êtes comme une équipe, vous travaillez ensemble, vous jouez ensemble, mais est-ce que vous vous souvenez de vos débuts et comment, en quel point vous êtes développé au sens musical tant qu'une équipe, alors tant qu'équipe, ou individuellement également? Donc, en quel sens vous êtes... Bien, de toute façon, c'est plutôt dans comment on s'est développé en équipe, puisque individuellement, on a des routines et des manières de jouer la musique qui fait qu'on peut, puisque le jazz, c'est une musique qui permet de passer d'un musicien à un autre, de changer d'orchestre, assez facilement. Donc voilà. Après, à partir du moment où on commence à se trouver des affinités plus particulières avec certains musiciens, à ce moment-là, on commence à développer quelque chose. Alors ça se développe de plein de manières, c'est-à-dire déjà, bon, il faut des affinités esthétiques, ça c'est sûr, pour commencer, mais sinon il faut aussi, comment dire, dans la manière dont les espaces sont gérés, dans la manière dont les réponses, les questions, les réponses dans la musique sont amenées. Donc voilà, tout est une question d'échange. Cette musique, elle se fait uniquement dans un dialogue. C'est l'intérêt de cette musique.
Sintez ove muzike, a zapravo i ova muzika se pravi kroz dijalog. To je jedna muzička komunikacija koja na svoje pitanje dobija odgovor i da se taj dijalog zapravo integriše u to jazz stvaralaštvo. Kada su počinjali i kada su radili individualno, jazz muzika vam dovoljno je slobode da možete mijenjati muzičare, da možete svako na svoj način odsvirati nešto ili daje vam slobodu za improvizaciju. Međutim, od kad smo počeli da zajedno radimo, uvijek se među muzičarima nalaze, prepoznaju neki zajednički afiniteti i zajedničke tačke koje su zapravo i specifične ili neposredne i drugačije i koje na svaki ajde zahtjev dobijate jasan odgovor, jedan dijalog se kroz taj zajednički interes u muzici uspostavlja jako brzo i tako muzičko stvaranje zapravo i započinje i traje. I tako da gotovo je danas i nemoguće govoriti o individualnom stvaranju muzike, jazz muzike, nekako to radimo u ekipi i tu se savršeno dobro usaglašavamo. Već sam u najavi pomenula da se album zove Carmenina Karma i predstavlja adaptacije dijela francuskih kompozitora. Ramona, koji su to uglavnom kompozitori? Comme j'ai déjà mentionné, l'album s'appelle Carmen's Karma et donc ça représente une pas intégralité mais une synthèse des compositeurs français. Quels sont les compositeurs français ou ailleurs? Quels sont les compositeurs qui vous ont inspiré? Alors, parmi les compositeurs français, il y a Fauré, Ravel et Debussy, mais pas que. Sur le disque, il y a d'autres morceaux qui ont été inspirés ou bien qui nous ont servi comme matériel pour développer des arrangements, donc des nouvelles créations, sur même la musique de George Enescu, compositeur roumain, Antonin Dvorak, Tchaïkovski, Beethoven. Voilà, je pense que je n'ai pas oublié, et Schubert. Da smo dosta i razumjeli zapravo po nazivima koji su to Dvoržak, Fauré, Ravel i Debussy, kada su u pitanju francuski kompozitori, a van francuski i drugi kompozitori i kako je rekla i kreativni muzičari koji su inspirisali, ali kao što ste razumjeli i rumunski kompozitor Enescu, ali također i Georges, non Boris, comment il s'appelle les Européens, j'ai pas tout retenu. Dvorak, Schubert et Tchaïkovski. I eto, pred kraj razgovora, možda vas da čujemo, Nikola, se bubnjevima, kontrabasom i klavirom, kakvu ćete energiju prenijeti, zbog čega da dođu naši sugrađani na nastup u okviru mjeseca poštovanja džez? Comment vous allez motiver les auditeurs de venir, de participer à ce spectacle avec votre musique que vous allez performer au piano, en tant que pianiste, mais aussi à la percussion et au contrebasse. Mm-hmm. Voilà, comment vous allez transférer les motifs aux gens de venir, qu'est-ce que vous allez présenter? Bien, le trio de jazz, c'est peut-être la forme la plus circulaire où justement l'énergie peut et la communication peut circuler le mieux parce que c'est une forme à trois personnes avec suffisamment peu de gens pour que, exactement comme dans une conversation à trois personnes, on peut rebondir les uns sur les autres. Si on est plus nombreux, bien sûr, c'est toujours un petit peu plus compliqué. C'est vraiment dans le dialogue entre les trois musiciens que les choses vont se faire. Et puis, je pense aussi que pour ce projet qui n'est pas le seul projet qu'on ait fait avec Ramona, mais là, autour de la musique classique, ce qui est peut-être intéressant pour les gens aussi, c'est de voir comment on va traiter d'une manière jazz des thèmes de musique classique, soit directement, soit même parfois, on a des morceaux qui font fortement penser, comme Carmen's Karma par exemple, qui font fortement penser à Bizet, mais il n'y a pas une seule note de Bizet dedans. Donc ce sont des vraies compositions qui sont... Mais les gens vont toujours dire « Mais ça, je connais ce morceau, ça, je... » Voilà.
Mi ćemo prikazati iz toga i motiviše ljude da dođu. Jedan dijalog, jedan veliki muzički dijalog, kao što imate konverzaciju među tri osobe i stalnu slobodu komunikacije i prikaza na razne načine. Interesantno je da kada je taj broj ljudi, nas je svega troje, ali kada je taj broj na sceni ljudi više, onda je to malo i komplikovanije. Ovako će biti jedna muzička konverzacija između troje ljudi koji dozvoljavaju slobodu da pređete i sa jedne muzičke, ajde da kažem, tranše na drugu, a i također sa jednog muzičkog izbora, odnosno instrumenta na drugi. Ono što je posebno interesantno je pogotovo Carmen's Karma, koju ćemo prikazati, prepoznaćete neke note koje će vam se činiti bliskim, prepoznatljivim. Recimo, jako puno osciliraju sa muzikom, ajde da kažem, Georges Bizet-a. Prepoznali biste muziku Bizet-a, a u stvari ne postoji ni jedna jedina nota Bizet-a. Tako da je to interesantno da ćemo muzikom odvoditi ljude kroz razne dijaloge gdje ćemo ih zapravo iznenaditi nekim novim. Zapravo to je i jazz muzika, jedan stalni dijalog, interakcija i stalna komunikacija. Sreću svakako na premijeri i želim vam ugodan boravak u našoj zemlji. Hvala što ste bili naši gosti. Publiku svakako pozivamo da dođu sutra večer. Voilà, félicitations et merci d'être venu. Voilà, on invite le public. Merci à vous tous, Slava. Hvala vama. Merci. Do narednog viđenja.